Je m'appelle André Goudonnet. J'ai écrit un livre sur l'abbé Boudet l'année dernière pour l'anniversaire pour commémorer le centenaire de sa mort. Alors nous sommes ici à l'entrée de l'église de Rennes-les-Bains où il va exercer son sacerdoce pendant 42 ans. L'abbé Boudet a été ordonné prêtre en 1861 et sera muté à Rennes-les-Bains le 16 octobre 1872. Donc pendant 42 ans jusqu'en 1914, où il va en fait, soi-disant suite à un différend avec la mairie, donner sa démission et se retirer à Axat où il a de la famille et mourir pratiquement un an après, le 30 mars 1915, à l'âge de 78 ans. C'était un très bon prêtre, enfin c'était un bon prêtre aimé de ses paroissiens, d'où la plaque qui a été apposée sur le mur de l'église, cette autre plaque que nous avons fait poser en 2015 suite au centenaire de la mort de l'abbé Boudet. Derrière moi se trouve un calvaire qui a été mis par un de ses prédécesseurs qui s'appelle l'abbé Delmas. Bon, il y a toute une histoire avec ces calvaires parce que ces calvaires sont au nombre de trois sur la paroisse de Rennes-les-Bains. Un qui se trouve ici, un qui se trouve à l'entrée de Rennes-les-Bains, qui a failli disparaître avec la construction du parking et qui a été restauré par l'équipe du cercle du 17 janvier qui s'est occupée de la remise en place du calvaire. Et un se trouve sur la route de Montferrand. Les gens ont trouvé que trois calvaires, ça devait faire une triangulation. Et effectivement, ici, on est dans le pays des chercheurs, hein, de toute manière. Donc, tout le monde y va de sa petite théorie. Bon, nous pénétrons maintenant dans le...